Bonjour, alors tout d'abord j'aimerais remercier Paul et Dominique qui m'ont envoyé ce message sur mon adresse étoiledemidioutlook.fr. Alors hier c'était la journée de la toche à Stéphane, comme je l'ai dit hier, hein, donc c'était... Il a eu de la chatte, hein, puisque bon, en coup de maître, il a eu trois questions difficiles, mais... Comme, bon, il ne savait pas, hein, c'est pas de sa faute, hein, attention. Hein, mais bon, il a dit au pif, mais bon, vous allez me dire, il a une chance sur trois, mais ah ouais, mais quand même, une chance sur trois. Et donc, voilà, il est arrivé à. Il a gagné avec que des questions difficiles. Et. Bon, déjà, je pense que la production voulait pas lui filer les 5 000 euros, hein, mais bon, comme il y a eu du bol, donc voilà, donc il a gagné 10 000 balles. Comme vous pouvez voir, il y avait 5 étoiles. En vert, d'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont retiré 5 cases dans l'étoile mystérieuse, d'accord? Bon, donc après il a gueulé, bon, moi je m'en fous, je coupe le son, parce que bon, moi quand il gueule comme ça, il m'insupporte, mais bon, c'est pas très important. Et ça, c'était l'étoile hier en début d'émission, d'accord? Et ça, c'est l'étoile après l'émission. Et vous savez ce qui s'est passé? Et d'abord, je tiens à féliciter, alors je ne sais pas qui a trouvé ce truc, mais ils n'ont pas retiré 5 cases, mais ils en ont retiré 7. Mais donc ça veut dire que ça se trouve, ils ont déjà fait ce truc sur d'autres, comment dire, sur d'autres étoiles mystérieuses. Alors, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est une erreur du mec qui retire les étoiles? Moi, j'ai une petite pensée pour... Comme vous le savez, nous sommes le 4 décembre, et d'habitude, vous avez l'étoile, la fameuse étoile de Noël, où vous avez une tonne de cases avec un super cadeau, etc., etc. J'ai l'impression qu'ils veulent se débarrasser de cette étoile pour mettre l'étoile de Noël, puisque c'est bientôt Noël. Donc j'ai l'impression qu'ils vont nous retirer encore des cases assez rapidement, justement, pour se débarrasser de cette étoile. Alors ça se trouve, ça a déjà été fait. Donc si ça a déjà été fait, parce que bon, bah, moi je suis pas là, comment dire, pour compter les cases non plus, quoi. Mais franchement, la personne qui a trouvé ça, bravo. Et puis, bah, bravo encore à la production pour nous faire encore bah, rire. Hein, voilà. Ah oui, et puis j'ai encore une pensée parce que quand je le dis, hein, c'est-à-dire que bon, quand Stéphane est avantagé, je crois que les gens qui, comment dire, qui supportent Stéphane, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais comme il est avantagé, Nicolas, Claire et Isabelle, eh bien, sont désavantagés. Et ça, il faut penser aussi aux autres. Voilà, allez, pour finir, bah, le t-shirt, comme c'est bientôt les fêtes, l'association de malfaiteurs, sur le site trop mignon.com. Allez, bah oui, merci la prod. Allez, je vous dis à tout à l'heure, bye bye.